Bienvenue, bienvenue chères auditrices, bienvenue chers auditeurs. Ce soir, nous vous proposons un épisode bonus de notre fiction sonore sur la route du silicium. Je suis Seb Joncou, l'auteur et le réalisateur de votre podcast. Ce soir, je suis entouré d'amis. Philippe Offort, votre narrateur est là. Salut Philippe. Salut. Ça roule Ah oui, super, super. Euh, Marie Deholm, notre héroïne, est avec nous. Bonsoir. Salut Marie. Eric Faff, le meilleur égide de Paris est dans la place. Bonjour à tous. Salut Éric. Didier Roy, le destrier légendaire et connecté. Gui-ha Salut. <laughs> Nous avons même une invitée surprise, une auditrice de longue date de mes histoires à coucher dehors, Rachel, salut. Salut, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir et de mettre enfin un visage sur vos voix. Cool. Tu, tu pourras discuter avec tout le monde comme tu le veux. Euh, nous voici donc dans notre studio en ligne euh, chez Riverside. Vous avez certainement déjà vu des, des photos qu'on a postées euh, sur la page Facebook. Euh, euh, c'est une visio, hein, euh, en gros, comme euh, pour beaucoup d'entre de vous, euh, vous qui travaillent euh, à distance. Euh, sauf que c'est un outil qui est fait pour euh, les podcasts. Euh, et. Euh, par contre, évidemment, ça veut dire qu'on est loin d'être voisins. Euh, moi, je vous parle du quartier de Beaugrenelle qui est dans le 15e. Toi, Philippe, tu nous parles d'où ah, Moi, je vous parle de mon astéroïde intercosmique euh, en Creuse, euh, à Saint-Sulpice-les-Champs. Cool. Et toi, Marie, t'es où Moi, je suis dans l'Est parisien, dans le quartier du Père-Lachaise. Voilà. Super quartier. Eric, toi, t'es pas à Paris, je crois hein Alors, Didier, toi ce soir, c'est toi le plus loin. Tu nous parles d'où Alors, moi je suis, je suis, non, moi je suis sur zone, c'est vous qui êtes loin. Mais euh, <laughs> en fait, je vous parle de ma campagne, de la campagne pragoise en Tchéquie. Mais je suis pas tête de veau à l'origine. Ouais, c'est euh, d'ailleurs un des seuls véritables Parisiens que je connaisse. Euh, euh, Born coup, and raised. Euh... il <laughs> y en a déjà. Il y a deux doigts qui se lèvent, Seb. Ah, ah <laughs> Rachel, on est 50%. Rachel. Allez. Rachel et Eric, 50% de l'équipe. Ah, mais Eric, <laughs> je ne savais pas que tu étais aidé à Paris. Cool. Bah, ouais. voilà. D'accord. Bon, alors, du coup, euh, c'est toi qui gagne. Euh, le plus dingue est que nous avons eu des membres du casting qui étaient encore plus loin que Didier. Il euh, y a Erwan Fayol qui joue Tao Kahn, qui, pendant toute la saison 1, a habité à Hong Kong. Euh, là, il vient de déménager. Il habite maintenant en Angleterre. Et du coup, ça sera plus facile pour nous d'enregistrer. Potentiellement, pour la saison 2, Erwan pourra enregistrer avec nous. Il aura juste une heure d'avance sur nos, nos heures de rendez-vous. Alors que quand il était à Hong Kong, on avait 7 heures de décalage. Ce n'était pas possible. Alors, euh, il y a d'autres personnes. Moins, ouais, il y a d'autres membres de l'équipe qui ne sont pas là ce soir. Euh, c'est parce qu'on les aime pas en fait, qu'ils ne sont pas là. Euh, non, je plaisante. <laughs> euh, c'est parce qu'on euh, s'est dit qu'on euh, est neuf voix à, à, à créer ce podcast. Et je sais euh, pertinemment que c'est impossible de suivre neuf voix différentes dans une discussion à bâton rompu comme on va avoir Donc du coup, euh, euh, j'ai proposé aux invités de ce soir de, de participer. Euh, mais euh, nous n'oublions pas Élise Cansès, euh, la caltequée dorée, euh, notre jument préférée, euh, qui est parisienne elle aussi. Donc, euh, mine de rien, les Parisiens sont quand même euh, en majorité euh, dans l'équipe, visiblement. Euh, il y a Aurore Claverie qui joue Alexandria et aussi Chalipa Charifi, euh, notre grande méchante. Euh, Aurore, elle habite en Creuse aussi. Euh, et euh, il y a aussi Thomas fort notre empereur, pour ceux qui ont écouté l'épisode final. Alors, oui, euh, les amis, si vous écoutez cet épisode bonus, je vous conseille grandement d'avoir écouté toute la saison 1, hein, parce qu'on va pas prendre de pincettes, on va, on va divulgâcher euh, tout du long. Donc, du <laughs> Ça coup, va spoiler euh, grave. Ouais, ça va spoiler grave. Euh, du coup, euh, euh, écoutez les épisodes avant euh, et revenez au bonus euh, après. Hein. Euh, et du coup, euh, Thomas est l'empereur, donc euh, le méchant final de la saison, euh, et il habite dans le Calvados. Ce que je trouve formidable avec Silicium, c'est qu'il euh, y a des gens du monde entier qui nous écoutent. Là, Je regardais les statistiques cet après-midi. Euh, depuis le début de, 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 de la saison 1, hein, euh, qui est, je crois, en mars ou en avril. Il euh, y a des gens de 70 pays qui nous écoutent. Wow. Euh, et ça, c'est ma grande surprise euh, depuis un an ou deux là que je fais les podcasts, c'est de voir à quel point il y a des gens euh, loin et surtout dans des pays qui ne parlent pas français qui nous écoutent. Et du coup, il y a des Haïtiens, là j'ai vu, qui nous ont écoutés ces derniers jours, des Ukrainiens. Et euh, je trouve ça cool que des gens en Ukraine puissent se changer les idées en, en écoutant notre histoire. Il y a des Népalais, en tout cas, des, je ne sais pas si c'est des Népalais ou des gens qui parlent français qui sont au Népal, mais il y a des gens au Népal qui nous écoutent. Il y a des Bangladeshis aussi qui nous écoutent. Et aussi pas mal d'États-Unis. C'est le troisième groupe, le troisième pays de nos auditeurs. C'est des gens qui sont aux États-Unis. Le deuxième groupe, c'est les Belges. Et le cinquième groupe, c'est les Suisses. Évidemment, les plus nombreux, c'est quand même logique, c'est les Français. Mais je trouve ça vraiment. Euh, touchant euh, que des gens aussi divers dans autant de pays, de conditions euh, humaines différentes, euh, tous différents, tous uniques, euh, soient tous réunis par cette aventure. Moi, je trouve ça euh, super. Euh, Au-delà, euh, ouais. j'irai des, des succès commerciaux ou de, des énormes écoutes. Hein, un podcast euh, euh, qui a du succès. Euh, il est à plus d'un million d'écoutes par épisode. Nous, c'est pas notre cas. Hein. Depuis le début de la saison 1, il y a 7000 épisodes qui ont été écoutés. Ce que je trouve formidable déjà. Mais de savoir que vous nous écoutez à plein d'endroits, sur les, tous les continents de la planète, je trouve ça formidable. Alors du coup, toi Rachel, tu nous écoutes d'où bah, Moi, je suis pas très loin de Paris non plus. Moi, je suis dans les Hauts-de-Seine. Cool. Euh, du coup euh, euh, à quel moment euh, tu préfères nous écouter parce que c'est un truc que je regarde moi, dans les statistiques aussi euh, à quel moment les gens écoutent le plus? Bah, après divers essais, euh, je dois dire que euh, ce qui me convient le mieux c'est en journée. Ouais. J'ai essayé d'écouter un moment euh, sur ta fiction d'avant euh, en marchant je crois que j'allais vers le métro, ça m'a pas plu, j'étais ouais. pas dans le bon environnement. Ouais. Donc euh, ma conclusion, c'est en journée sur mon canapé, c'est parfait. Et est-ce que tu écoutes au casque ou sur une enceinte Alors là aussi, j'ai tâtonné. Euh, je crois que ta fiction précédente, euh, Au-delà, Au-delà euh, au ciel euh, si si en elle est enfer, en fer, euh, hein. euh, je l'avais écoutée avec mon téléphone, tout simplement en, en haut-parleur. Et cette saison-là, j'ai commencé euh, sur la route du silicium. J'ai commencé à l'écouter avec mes écouteurs. Et c'était sans comparaison. L'immersion est bien plus forte. Euh, on ressent mieux les musiques. On rentre beaucoup plus facilement dans l'histoire. Donc voilà, ça y est, j'ai trouvé le, la combinaison à adopter. Euh, alors ça, malheureusement, c'est un truc sur lequel il n'y a aucun chiffre sur comment les gens écoutent. Euh, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien que les gens me le disent. Et d'ailleurs, si euh, si vous voulez aller sur la page Facebook de, de, sur la route du silicium et nous dire comment vous écoutez, vous, le podcast, ça nous intéresse beaucoup. Euh, parce que justement, par, moi, par exemple, ça me permettrait de travailler le mixage euh, pour le casque plutôt que pour euh, les enceintes, par exemple. Ça permettrait même de faire de la spatialisation de son si je savais que je bossais que pour des gens qui écoutent au casque. Euh, ça pourrait même permettre de faire pour les gens qui ont des iPhones. Euh, le spatial audio de Apple euh, qui fait que quand on tourne la tête, euh, euh, le son change par rapport à la position du téléphone. Euh, mais euh, bon, ça, pour l'instant, je crois qu'il y a très peu de podcasts qui le font. Du coup, tu l'as dit, c'est en journée que toi tu écoutes. Alors je vous le dis, le moment où il y a le plus d'auditrices et d'auditeurs de Sélicium depuis le début de la saison, c'est le lundi soir entre 11h et 1h du matin le mardi. Du coup, visiblement, il y a pas mal de gens qui aiment commencer leur semaine en s'endormant avec nous. Euh, et je trouve ça génial euh, on nous laisse rentrer dans l dans votre, euh, que vous nous laissiez rentrer dans votre intimité comme ça. Euh. L'autre moment clé, euh, c'est le dimanche matin de 7 à 8. Donc euh, là, j'imagine des gens qui attaquent leur dimanche, peut-être en allant courir ou un truc du style. Euh, là, pareil, si, si vous voulez nous dire comment vous écoutez, euh, ça, ça m'intéresse beaucoup moi. Bon, revenons aux actrices. Marie, euh, Marie euh, tu joues Tuli Eiffel, notre héroïne depuis plusieurs épisodes, depuis six épisodes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle Comment tu t'es approprié le personnage Tuli, pour moi, c'est euh, une femme à la fois très forte et très fragile. Et je crois que c'est ça que j'aime le plus chez elle. C'est qu'elle est, euh, est très brillante, euh, elle est courageuse, elle est très sensible. Euh, elle est très cultivée, enfin bon voilà, elle a plein de comme cette qualité très très brillante, très visible et tout. Et en même temps, elle est euh, elle est très addictive. Elle est elle est pleine de failles et ça sent, elle le dit aussi euh, parfois. Elle est très émotive et euh, voilà, elle est elle est très humaine. Elle, elle est un peu plus grande que la vie. Enfin, il existe des gens comme ça bien sûr, mais il y en a pas, on n'en rencontre pas souvent, je crois. Mais euh, elle est voilà, elle est très contrastée et, et, et profondément humaine. Je, cool. Voilà comment je, enfin, je, je la vois. Ouais. Et elle te fait penser à, à je ne sais pas, à une actrice ou un personnage que tu as déjà connu ou à quelqu'un euh... Alors, ce que je me suis dit quand je. Quand, quand, quand je, je euh, au fur et à mesure des épisodes, en, en découvrant Tully, etc., c'est que je. Elle me faisait penser à la fois à moi, par certains aspects, c'est vrai. Et, et, et aussi un petit peu à toi. C'est une sorte de, de mélange, je trouve. Euh, un, un peu de. Peut-être des représentations de ce qu'on qu a l'un de l'autre. Euh, je trouve. Après, j'ai jamais réfléchi si elle me faisait penser à quelqu'un d'autre, personnage ou, ou acteur, euh, vraiment. Euh, donc là, il n'y a rien qui me vient et je ne crois pas. Euh, C'est plutôt cool parce que ça pas. veut dire qu'elle est singulière. Euh... Euh, ah, je la trouve ouais. très singulière, moi. Euh, ouais. Alors, euh, vous ne le savez peut-être pas, mais Marie et moi, on se connaît depuis longtemps. Hein. Marie, elle a participé à beaucoup de mes projets audiovisuels. Euh, on, a, euh, on est amis, je ne sais pas, ça fait très longtemps qu'on se connaît, puisqu'on a une amie euh, très proche euh, en commun euh, depuis longtemps, euh, notre copine Sophie. Euh, du coup, euh, on se connaît un peu, hein, évidemment. Euh, et en plus, euh, personnellement, euh, J'essaye d'écrire pour les gens qui jouent, euh, évidemment. Euh, et j'ai euh, pour Eric qui joue euh, euh, Pierre, la, Tigre Lazare, euh, pareil. J'ai même si je connais moins Eric, j'ai essayé d'écrire un personnage euh, à sa dimension. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est ma prochaine question. Non, je suis un peu perdu dans mon script. Alors, je vous explique. Hein, moi, j'ai pris des notes pour savoir à peu près à quel moment poser les, des questions intelligentes, mais. Euh, donc oui, c'est ça, je passe à Eric C'est pas trop mal gaulé quand même mon truc Eric, il me semble que tu as plusieurs points communs Avec ton personnage euh, Donc Pierre Tigre Lazare Tu fais du, des sports de combat, non Ouais, je suis coach en sport de combat Que ce soit boxe, pieds-points, pencha Krav Maga, Kokushinkai Donc euh, ouais, ouais, je pratique Et j'aime ça, c'est une maladie hein. Depuis que je suis gamin Donc c'est vrai que et puis bon, euh, en point commun, il y a la barbe blanche, ouais, les ouais, cheveux blancs, ça ouais, 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 <laughs> voilà, y a l'âge de un... Pierre euh, Tigre Lazare aussi. Et il y a un petit et peu et de tatouage. Ouais, et très tatoué aussi. Hein. Ouais, ouais, beaucoup. Ouais. Par contre, pas des pas des ébrures comme euh, Pierre Lazare, mais euh, ouais, je suis je suis beaucoup tatoué, beaucoup de choses qui reviennent euh, d'ailleurs sur les sur les arts de les arts martiaux. Et alors du coup, euh, que, que Lazare soit lutteur, c'est un truc. Euh, Toi, pour le jouer, tu savais comment faire, quoi. Ouais, c'est pour ça que ouais, c'est c'est super sympa ce que tu fais, ça de, de prendre des, des personnages qui correspondent un peu à tes comédiens. Donc c'est vrai que c'est plus facile à jouer euh, quand c'est comme ça, même si euh, quand c'est autrement, on se met un peu en danger. C'est ça aussi le kiff. Mais là, ouais, on va dire ouais, c'est assez facile. Pour ça que des fois j'ai tendance à crier un peu fort sur les. C'est les podcasts que je m'en. <laughs> heureusement, heureusement, je, je m'en Alors effectivement, quand je mixe les épisodes, je baisse, je, je, je baisse Eric. <laughs> je baisse son niveau. Euh... C'est assez facile, ouais, facile à jouer, ouais, parce que c'est, je me retrouve quand même. Euh, hormis ses points physiques, même sur sur la personnalité, je veux dire euh, grand grand physiquement, grand gueule, mais euh, à côté de ça. Et courageux et puis avec un gros cœur parce que je crois que c'est un peu comme Marie je veux dire il y, y a beaucoup d'empathie dans ce personnage euh, c'est un être humain vraiment avec euh, des, des points humains qui sont euh, assez forts et je pense dans la saison 2 tu vas t'appliquer à les et mettre ouais, en ouais, valeur parce que euh, la saison <laughs> se termine quand même dans des conditions particulières hein, je peux vous les rappeler euh, l'empereur vous, de, vous demande un prix exorbitant pour euh, vous donner l'objet que vous êtes venu chercher qui est le, le, le processeur quantique il vous demande en gros de, de lui donner une descendance, euh, donc euh, à Marie de lui donner un enfant, euh, à, à Pierre de lui donner un enfant aussi. Euh, et. Euh, à Gazlan, Gazal d'ouvrir de, de, une lignée dans ses écuries et à, à, à Karakoum de porter un de ses, un de ses poulains. Donc euh, c'est quand même un prix assez, assez ouf. Je suis assez content de vous avoir mis dans cette situation-là. Et du coup, humainement, clairement, la saison 2 va être forte. Je, je l'espère, en tout cas, je vais y travailler dans, dans cette dimension-là. Ouais. Alors, Philippe, euh, oui. tu es la voix que de, 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 de connaissent nos auditeurs. Hein. C'est toi qui, qui, nous, qui nous guide depuis le, le début de l'histoire. C'est toi qui euh, fabrique nos décors, qui, euh, qui explique la mise en scène. Tu as participé à toutes mes œuvres audiovisuelles. C'est-à-dire depuis le début, euh, depuis que j'ai commencé à faire des trucs avec des images qui bougent et du son euh, sur YouTube, euh, tu es là depuis le début. Euh, et, et du coup, euh, qu'est-ce que tu penses de ton expérience de, de narrateur là, dans Silicium euh, par rapport euh, euh, au parcours que tu as fait Donc, Sur Au-delà, euh, tu jouais Paul Keller, le, qui était le héros de Au-delà, ciel et enfer. Euh, tu as fait le, le rôle principal dans mes deux euh, films expérimentaux, euh, Plus que réel euh, et euh, Terre plate. Euh, du coup, euh, narrateur sur Silicium, ça fait quoi Donc, j'ai clairement adoré euh, ma place de narrateur, qui était une chose nouvelle, hein, puisque avant, j'étais, euh, comme tu l'as dit, euh, personnage actif. Et ce qui est euh, vraiment. Alors, dans ma préparation du rôle euh, de narrateur, j'ai vraiment bossé sur. Il euh, y a un gars qui s'appelle Patrick Penaud, euh, qui, qui a longtemps fait l'émission euh, Rendez-vous avec Monsieur X, hein, et qui a une scansion euh, très particulière. Euh, une manière très, euh, très singulière de, de détacher j les mots, de rythmer, etc. Oui, oui. Et je me suis inspiré. Euh, de, alors, il est inégalable, évidemment, mais je me suis inspiré, parce que, comme tu demandes, toi, dans ta réalisation, un débit assez important euh, dans, dans la narration. Il faut, faut que ça soit vraiment très, euh, très scandé, très rythmé. Euh, donc, j'ai préparé, préparé je me suis préparé, je me suis fait mes petits. Euh, mes petits euh, euh, mes petites répétitions à la maison euh, en, en, en délirant avec euh, avec Peno euh, et c'était vraiment super agréable après c'est ce que j'ai adoré c'est que évidemment je suis euh, j'incarne le narrateur et vraiment j'avais la sensation clairement d'être dans la radio euh, de la Tour Eiffel la nouvelle radio, radio Tour Eiffel et que enfin j'avais vraiment la sensation. Euh, donc je délivrais j'introduisais l'histoire je faisais les liens etc et après, j'étais complètement spectateur de ce qui se passait, vraiment. Et j'étais euh, bah, euh, assez fasciné de comment les, les, les autres, les copains, là, ils étaient en train de, de jouer, de défendre leurs personnages, les, leurs, euh, <laughs> leurs aventures, parce qu'il y en a un paquet quand même, euh, plein, de, enfin, plein de rebondissements. Enfin, il n'y a jamais un épisode tranquille, quoi, ça déménage à chaque fois. Et vraiment, ma place était vraiment comme un, un spectateur, vraiment. Même quand je disais après les liens nécessaires de la narration, etc., et j'avais un vrai plaisir euh, euh, comment, euh, de bouche, de, 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 de d'élocuteur à, à, à accompagner là, euh, les aventures des, des différents personnages. Et même un plaisir hyper particulier, parce que les, les noms des personnages sont hyper beaux, un vrai plaisir à, à prononcer le mot, le, le, le nom des, diffé des différents personnages. Euh, super. Euh, alors comme vous le savez, chaque épisode commence par Tully qui déclame un poème approprié à la situation. Euh, moi, j'aime beaucoup parler de partager de la poésie. Euh, la poésie c'est un truc fragile et rare euh, qui, euh, à plein de moments dans ma vie euh, m'a été très utile et très puissant. Et Philippe, tu as écrit le poème du quatrième épisode. Euh, qui s'appelle ici Sabarkand euh, travailles-tu actuellement sur un livre en ce moment ou tu écris tout le temps hein, je le sais, peux-tu nous parler de, de ce que tu fais en ce moment sans divulgacher euh, parce qu'évidemment euh, il faut qu'est-ce que tu qu que écris en ce moment là alors j'écris euh, j'écris un roman euh, c'est mon premier roman parce que normalement j'écris des pièces de théâtre euh, un premier roman que je qualifierais de punk apocalyptico poétique trash voilà donc j'essaye de voilà donc on est dans, sur un, un paysage de la fin du monde etc c'est pas de la science fiction c'est pas c'est pas euh, je suis pas dans la mouvance des romans apocalyptiques où je suis très admiratif de ça évidemment mais j'essaye d'allier euh, euh, un, un paradoxe entre le, la, la beauté de l'horreur finalement voilà c'est ce que j'essaie de c'est ce que j'essaie de raconter voilà super eh bien, tu, tu, tu pourras utiliser le, la communauté de Silicium pour, pour partager ce que, ce que tu retournes œuvre. Ça intéressera probablement les gens, puisque même si je dirais pas que notre histoire est un récit post-apocalyptique, je pense que nous, ça se situe plus longtemps après l'apocalypse. Euh, on est quand même dans ce registre-là. Euh, L'autre jour, en discutant avec un copain, con... j'ai compris que ce qu'on fait, c'est du plastic punk, au même titre qu'il y a du steampunk ou du euh, diesel punk, euh, ou du cyberpunk. Euh, et euh, du coup, euh, ça, bah, ça, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bah oui, c'est exactement ça qu'on qu est en train de faire. Et oui, c'est en discutant avec le dessinateur de la bande dessinée euh, qu'on a compris ça. Euh, donc, Philippe, tu organises des ateliers d'écriture, je crois, euh, tu, mais je sais que tu es aussi photographe. Alors, j'ai une question. Euh, quand est-ce que tu dors euh, Je dors dans les interstices. C est, c est, je, voilà, c'est tout. Je, je dors euh, dans les plis, dans les plis, les, les petits replis de non-activité. Voilà. <laughs> cool. Euh, alors. Euh, alors, euh, Didier, euh, toi aussi, tu as participé à tous mes projets. Euh, C'est l'avantage des vieux potes. Hein, euh, euh, Philippe et moi, on était au lycée ensemble. Et, et Didier et moi, on a commencé à travailler ensemble euh, il y a, pff, je ne sais pas, 30 ans, je chose comme ça. Mm -hmm. euh, euh, <laughs> et, ouais, ça et du coup, toi, Didier, euh, ce coup-ci, tu es acteur. Alors, je, 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 je ne viole pas un secret en disant que tu n'es pas acteur en temps normal. Hein. Tu viens de jouer Gazlan Gazal pendant une saison. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience Qu'est-ce que tu qu que as vécu Alors, ce que j'ai vécu. Alors, déjà, je suis très content que tu sois passé au podcast parce que. Et je te remercie d'utiliser de, de, ma voix plutôt que euh, dans d'autres euh, de tes productions où euh, tu m'as fait faire le tour de Paris en scooter avec un casque collé sur la tête, avec une caméra sur la tête, <laughs> ou euh, tu m'as fait courir, à sprinter comme un, comme un dingue devant, devant Philippe avec une gimbal dans le dos, <coughs> ou tatouer le dos de mon fils, enfin ouais, bon ouais. voilà. <laughs> Et je vous, je, vous, je vous jure que tout ça est vrai, voilà, hein, c'est authentique. Donc, donc euh, ce que j'ai appris, ce que, que j'ai appris, euh, bah, c'est ce surtout euh, d'écouter mes, mes camarades, comme tu l'as dit. Je suis le seul qui ne soit pas acteur, en tout cas pas, com pas comédien ou pas créateur, on va dire, euh, dans la troupe. Je, je, je suis qu'un geek. Euh, et moi, ce que le, mon grand kiff, c'était d'écouter le, les autres, quoi. Voilà, Donc j'ai appris, j'ai essayé de déclamer mon texte comme j'ai pu, mais euh, surtout, j'ai pris un, un plaisir immense à écouter, à, à, être, à être engrainé, embringué dans cette aventure euh, et à essayer de passer ma petite, mes petites répliques de temps en temps. Voilà. Super. Eh ben, écoute, je suis ravi et j'espère qu'on continuera pendant 30 ans comme ça. Hein. Euh, Philippe, il me semble qu'il y a un lien familial entre ton personnage de Léno Concorde et un autre personnage du, du podcast mais je crois aussi que tu as un lien familial entre notre avec un autre acteur de Silicium. C'est quoi ce ce beans, Philippe bah, Oui, voilà, bah c'est bah l'empereur. L'empereur est incarné par par mon frère, un de mes frangins. J'ai pas mal de frères. Euh, Thomas, oui, Thomas, Thomas, Fort, enfin, qui, qui d'ailleurs, bah, il n'est est pas là, il, mais il, euh, alors lui, il a une carrière d'acteur, euh, il a eu une carrière d'acteur très, très jeune d'ailleurs. Il a démarré euh, dans un court-métrage qui avait été assez, euh, assez remarqué euh, à l'époque. Alors, je, je me souviens plus du nom, mais il était euh, tout, tout gamin, je crois qu'il avait 14 ans ou un truc comme ça. Et il avait aussi euh, tourné. Euh, euh, une production au Théâtre ouvert de Paris, qui est comme un théâtre assez réputé, euh, d'écriture contemporaine, sur une pièce de Jean-Paul Wenzel, Les Yeux d'encre, ça s'appelait, et il était le, le gamin, euh, voilà, à 16 ans. Après, il est parti, lui, sur une carrière de, de, de réalisateur de, 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 de cinéma. et Léno euh, Concorde est voilà, nos donc, oui, et oui, aussi on, le petit-fils. D'ailleurs, physiquement. Ah oui, 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 oui. Mais ça, c'est un spoiler ou quoi Non, pas pour de vrai. Hein. Euh, pas, pas pour de vrai. Bon, <laughs> les personnages, hein, je veux dire, sont, sont de la même famille. Donc, vous euh, voyez, euh, c'est une série euh, basée sur l'amitié et la famille, euh, des, des, des valeurs traditionnelles euh, qui nous tiennent à cœur. Euh, mm -hmm. Alors, question collective maintenant. Qu'est-ce que vous évoque cette première saison de Silicium Qu'est-ce que. Euh, Qu'est-ce que je sais pas par exemple si vous en parlez à quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce que vous en dites c'est quoi euh, c'est quoi le truc qui en ressort euh, de votre point de vue alors Didier lève la main vas-y j'ai une question oui. oui. Euh, alors ce que ça m'évoque bah, moi ça m'évoque euh, euh, que c'est assez différent de ce qu de ce que tu as pu faire précédemment c'est mmh. en fait je vais fais référence à ton à, à ton à ton œuvre en général euh, et et euh, ça a été, euh, comment dire, un, comme je pense que c'est euh, pas forcément aussi autobiographique ou euh, euh, aussi imprégné de toi que, euh, que, euh, que tes autres euh, ouais. euh, créations, euh, du coup, ça a, été, euh, ça a été un petit peu plus euh, facile pour moi mmh. tu vois, de, de participer finalement parce que c'était plus détaché. Mmh. Euh. Ouais, c'est ça que ça m'a évoqué en fait mais ça c'est d'un point de vue très ouais, personnel mais... bien évidemment je parle, je parle pas du contenu je parle mmh. pas de, je parle pas de silicium en, en, en tant que tel mais plutôt de, de, de mon vécu à l'intérieur cool super euh, euh, ah rachel lève la main alors vas-y rachel ouais, moi j'aurais un ressenti un peu comme didier je suis plus facilement rentré dans sur la route du silicium j'y ai trouvé un peu moins d'aspects. Alors, je n'ai pas le vocabulaire parce que je ne fais pas partie de votre univers, mais ce que j'appellerais science-fiction. Et j'ai retrouvé mmh. plus, euh, plus d'aventures. Euh, ouais. euh, comme Didier, moi aussi, du coup, je suis beaucoup plus facilement rentrée dedans. Cool. Alors, euh, clairement, euh, c'est un truc que j'avais envie de faire euh, comme ça, effectivement. Marie, euh, lève la main. Oui. Euh moi, euh, j'écoute beaucoup de, de podcasts, euh, pas te, mais pas tellement de fiction, donc j'ai pas forcément une, une culture à cet endroit-là. Euh, et finalement, je peux comparer effectivement avec les, les fictions précédentes, auxquelles, euh, enfin les tiennes auxquelles j'ai participé, et, euh, et je trouve qu'en termes de, 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 de construction, effectivement, du récit et de, et de progression du récit, moi, je sens une vraie, une vraie euh, une vraie progression euh, en termes de qualité, euh, vraiment, et sur la construction des personnages, sur le récit lui-même, sur la construction de l'histoire. Et effectivement, ça participe beaucoup, je crois, du fait qu'on qu rentre plus vite dedans et qu'on qu s'attache euh, aux personnages, notamment, et qu'on a envie de savoir la suite. Euh, C'était déjà le cas avant, mais là, vraiment, je trouve qu'il y, y a un vrai saut qualitatif avec, euh, avec Sur la route du silicium. C'est un vrai bonheur, euh, euh, d'ailleurs. De, Alors, de, de, de mon côté, ce que je peux dire, j'essaye je, toujours de faire du mieux que je peux, mais euh, j'apprends au fur et à mesure. Hein. Ça, ça fait maintenant pas mal de trucs que j'écris, et, et clairement, euh, tous les gens qui écrivent vous le, le diront, c'est un truc qu'il faut taffer tout le temps euh, et on progresse. Euh, la différence avec mes projets pers personnels euh, précédents, c'est quand j'ai compris que les gens nous écoutaient dans leur lit, je me suis dit que potentiellement j'avais de meilleures histoires à raconter dans l'intimité des gens euh, que euh, d'être dans du fantastique horreur comme je l'avais fait précédemment euh, où j'essayais plutôt de générer des images euh, surprenantes et euh, même malaisantes d'une certaine façon parce que c'est un truc que, que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup questionner la réalité mais je dois avouer que quand j'ai compris que des gens euh, euh, S'endormait avec nous, j'ai euh, décidé de faire euh, un nouveau projet euh, qui est Silicium. Et euh, je me suis dit, bon, ben, si j'ai cette chance-là de rentrer dans l'intimité des gens, euh, tant qu'à faire, essayons de faire quelque chose d'optimiste. D'autant plus que, sans déconner, euh, avec l'ambiance de fin du monde permanente qu'il y a maintenant, euh, je pense que partager un peu d'optimisme euh, sans être non plus gnangnang. Euh, euh, ça me paraît salutaire. Donc, euh, si vous avez perçu ça, euh, je, suis, euh, je suis content. C'est intéressant que, 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 que tu dises que le, le fait d'avoir pensé aux gens dans leur intimité à eux, t'a influé euh, ta façon de travailler. Et, et, et du coup, euh, je ne sais pas comment ça s'est fait, parce que ça, c'est le secret de la, de la création. On ne peut pas tout décortiquer, en fait. Il y, y, y a des choses... Euh, euh, un peu mystérieuse qui se passe, mais mais, mais le fait qu'on s'attache, enfin qu'on qu rentre plus vite dans l'histoire et qu'on s'attache au personnage, a un lien direct pour moi avec cette euh, cette envie que tu as eu, c'est vachement intéressant ouais, ça, je trouve. C'est chouette. Le, la correspondance ouais, entre ouais, les deux. Oui, clairement, euh, ah, euh, oui Eric. Euh... Non moi juste le truc c'est que par rapport à ton à ton envie d'emmener les, 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 les gens qui t'écoutent, je crois que tu nous as emmené, tu nous as aussi emmené dans le sens où euh, moi, moi, pour mon cas perso, c'est vrai que quand j'ai vu le personnage, je ouais, c'est one again, on va, on va s'éclater. Et ce qui fait que ça emmène aussi sûrement les gens dans notre façon de, de jouer. De... C'est vrai que c'est un vrai bonheur. Et comme tu dis, vu la société aujourd'hui, puis un peu la température qui fait, euh, c'est un kiff de se poser dans son fauteuil. À... Et puis d'écouter ça, puis de se laisser euh, transporter euh, pendant une demi-heure euh, sur un, un autre monde. Et quelque chose Alors, Rachel, tu as écouté sur la route du silicium et aussi mon histoire précédente, Au-delà, ciel et enfer. As-tu l'habitude d'écouter des podcasts Alors, t'en as un peu parlé. Toi, t'écoutes plutôt des émissions de radio. Euh, T'as as écouté euh, d'autres fictions à part à part ce que je fais moi ou, ou pas Non, 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 pas du tout. J'avais une expérience effectivement podcast, mais uniquement de d'émissions de radio, ce qui revient à la même chose que d'allumer sa radio, sauf que c'est l'émission qu'on veut au moment où ça nous arrange. Ça ressemble à ce qu'on est en train de faire là. C'est des gens qui discutent sur des sujets qui nous intéressent. Euh, fiction sonore, aucune expérience. Euh, j'y suis, j'y suis venu euh, bah, par amitié pour toi, pour découvrir un peu ton univers, et je t'en remercie parce que j'ai passé de très bons moments avec la fiction précédente et celle-là. C'était une nouveauté. Et tu, euh, tu, tu lis des romans, toi, par exemple Par contre, je lis. Et euh, ouais. je n'ai pas, en revanche, euh, l'habitude d'écouter des livres lus. Ce que plusieurs personnes de mon entourage font. Il y a plein de gens qui le font, ouais. Moi, la lecture, je, je n'accroche pas comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que par le biais de tes fictions sonores, comme sans doute toutes les, toutes les autres créées de la même façon, c'est la seule façon d'y accéder. On l'a pour le coup pas le choix. Je n'ai pas à choisir entre le texte écrit, ce que j'aime beaucoup faire, lire un livre classiquement. C'est le seul moyen, moyen d'y accéder et c'est plaisant de découvrir ça. Alors, euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il y aura probablement une bande dessinée euh, l'année prochaine, hein, adaptée, euh, adaptée de, sur, du podcast, euh, justement pour peut-être toucher un public plus large euh, et puis euh, s'essayer à créer des images. Euh, de Ce monde moi, qui me fascine beaucoup, et j'en reparlerai euh, probablement à la fin. Euh, mais euh, effectivement, pour l'instant, en tout cas, euh, euh, sur la route du silicium, il faut l'écouter. Alors, il y a des versions avec des images sur la chaîne YouTube, mais visiblement, ça n'intéresse pas grand monde. La, la version YouTube, euh, donc, euh, et, et du coup, tu as un personnage préféré, Rachel, là, dans, dans Silicium. Euh, euh, C'est euh, quel perso qui te reste en tête euh, où, où tu euh, projetée, ou tu t'es peut-être je, projeté Je dirais que je me suis attachée à tout le monde. J'ai trouvé que chaque personnage était quand même bien travaillé. Euh, J'ai bien aimé notamment les méchants. <laughs> euh, Chalipa Sharifi était, euh, était très bien, Taoka au top. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, l'insertion que tu as faite de personnages euh, d'animaux et euh, notamment le chien <laughs> qui me fait ah, toujours Kongal. beaucoup rire à chaque fois <laughs> qu'il apparaît. Il est formidable. C'est mon plus gros, mon plus beau rôle hein, en, <laughs> en tant qu'acteur. Euh, bon chien. Voilà. On se demande ce qu'il fait là, mais à chaque fois il m'a fait rire. <rire> euh, non, je. Peut-être un peu plus d'attachement pour les personnages féminins. Alors c'est peut-être très classiquement parce qu'en tant que femme, l'identification est plus facile. Mais euh, j'aime bien ce que tu as fait de chaque personnage. Et même le narrateur, qui en soi euh, n'a pas de rôle, était euh, très bien interprété et, euh, et fait partie du, du lot des personnages. J'ai trouvé ça assez bien équilibré entre tout le monde. Cool. Et il te reste euh, une, une séquence. Une, euh... Un moment en particulier, un épisode particulier, il euh, 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 y a un truc qui t'a plus euh, plu. Ouais. Qui te Moi, reste... de, de toute la saison, ce que j'ai préféré, c'est l'épisode En attendant les barbares. Parce que justement, euh, j'ai eu une espèce d'impression comme de parenthèse, où on s'est autorisé à, à, à... Chaque personnage s'est un peu livré à ce moment-là, et à gagner en profondeur, à ne pas pas être que le personnage à l'instant T, mais à dévoiler tout d'un coup un passé. Euh, et euh, comme Marie l'a dit à propos de son personnage, ça a été l'occasion aussi de mettre en lumière certaines faiblesses euh, dans ces personnages qui sont tous relativement forts et vaillants. Hein. Je pense que j'en ferai pas le tiers du quart de la moitié. Mais euh, j'ai trouvé ce, cet épisode particulièrement intéressant. Ouais. Si je dois en retenir qu'un, ce serait celui-là. Alors, euh, Si monsieur sont c'est le troisième épisode. Et effectivement, euh, je dirais son, son rôle, euh, où, où, en attendant les barbares. Ah oui, c'est après, c'est marquant. c'est le cinquième. C'est un épisode où, alors, pour les gens qui ont oublié le titre, parce que les titres, ça va ça vient. c'est l'épisode qui se passe dans le désert, où les personnages sont retranchés derrière un caillou euh, et vont être attaqués par. Euh, euh, par, la, par des barbares, et ils n'arrivent pas, et du coup ils se mettent à parler, et à se livrer les uns avec les autres. Et du coup, d'un truc euh, qui devrait être une, un épisode militaire euh, guerrier, euh, bah, en fait, on, on raconte un peu l'intimité des personnages. Oui, c'est bien, ça s'est transformé finalement en opposé de ce, ce, de ce que ça aurait pu être. Quoi. Ça pourrait être une ah. grande, un grand épisode de bataille, et en fait, ça a été un épisode très intime, j'ai trouvé. Et alors, vous, les amis, c'est quoi votre au votre fait Pas forcément de, de votre personnage, d'ailleurs, mais un, un truc qui vous a plu ou vous a dit « Ah, ça, ça j'aime bien, ça, 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 me, ça me plaît. » Moi, c'est comme Rachel, c'est Kangal. C'est notre Groot à nous. <laughs> c'est Kangal. Tu et, et, <laughs> et, <t> as parfaitement <laughs> compris. Euh, et... Kangal, c'est Groot dans Guardian of the Galaxy. Hein, c'est le même oui, type oui, de personnage. Oui, c'est ce que je dis, c'est notre Groot à nous. C'est ouais, clair. Je s'appelle Kangal. Je s'appelle Kangal. Et à... Et, euh, et non, ce que, moi ce que j'aime beaucoup c'est quand, quand Eric hurle. <laughs> et encore, je hurle pas fort. Hein. Et je Alors, contiens. Et surtout qu'il faut que vous imaginiez que chacun est chez soi, donc du coup on est tous enfermés dans des pièces, mais quand on hurle, les voisins peuvent l'entendre par exemple, parce qu'on n'est pas dans des studios insonorisés. Euh, donc on n'a pas eu de problème pour l'instant, mais il y a pas mal de gens qui sont morts en hurlant ou qui ont été torturés ou eu très mal dans, dans l'histoire et qui, du coup, ont fait du bruit euh, chez eux. Quoi. Si, moi, j'ai mes petits-enfants qui sont arrivés en courant. Euh... Papi, papi, papi. Je crois, d'ailleurs, que vous avez vus. ça Alors, du coup, les, les autres, un moment, un moment particulier euh, qui vous a que, que vous garderiez euh, Alors, euh, je, vais, euh, je vais aborder le sujet de l'interruption qu'on a eue. Je ne sais pas si je garde au, au montage. Donc, on a eu un problème technique, justement. Où, vous savez, on enregistre sur une plateforme. Et euh, clairement, la Creuse est moins bien desservie que les, euh, que les grandes villes en termes d'Internet. Du coup, on a perdu, euh, on a perdu euh, Philippe à un moment. Donc, euh, on reprend maintenant à nouveau euh, à 6. Euh, et Marie était en train d'expliquer à Rachel un truc intéressant par rapport au fait que euh, enregistrer en ligne comme on le fait, c'est cool. Tu, tu disais quoi, Marie Je disais que. Euh euh, ce qui est super, c'est que, en fait, chaque piste audio de, donc de chacun d'entre nous, euh, toi, tu les as euh, de façon individualisée, et que ça nous enlève énormément de stress, nous, à l'enregistrement, parce qu'on sait que euh, s'il y a euh, le moindre souci, ou même si on se trompe et qu'on doit reprendre, etc., c'est pas un problème euh, que derrière euh, au montage, tu vas pouvoir, de, de même que tu vas pouvoir enlever toutes les interférences, enfin vraiment, cliner le son euh, beaucoup, beaucoup. et, et du coup, c'est très... Euh, euh, pour nous qui sommes pas, euh, euh, pour, pour la majorité d'entre nous, euh, des professionnels de, de l'enregistrement audio, euh, notamment, euh, euh, voilà, ça enlève beaucoup de stress et ça donne vraiment beaucoup de liberté et de tranquillité au moment de l'enregistrement. Et je pense que ça nous aide aussi, à, du coup, à nous lâcher et à être meilleurs, mmh. d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un, un bon outil. Alors, malheureusement, qui est soumis au... Euh, je dirais au réseau euh, international et du coup qu'il y a des, des fluctuations, mais euh, typiquement réunir six personnes comme nous qui sont même pas dans le même pays et qui habitent pas dans la même région, euh, c'est tout un truc euh, pour enregistrer. Si on avait voulu enregistrer en étant dans la même pièce euh, tous les six, alors que là c'est quand même beaucoup plus facile de faire ça euh, euh, chacun chez soi. Euh, euh, du coup. Euh, euh, je vous propose qu'on qu reprenne le, le, le fil de, de ce que j'avais plus ou moins prévu. Alors, euh, euh, juste pas, juste, juste Sébastien. Je... Alors, oui, on parlait. Euh... Oui. oui, Philippe, justement, oui, euh, je voulais reprendre à ce que tu, tu, tu avais été interrompu. Oui. Tu voulais nous parler de ce que tu avais euh, ressenti. Euh... Alors, oui, c'est parce que a, on, on, tu vois, sur 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 la route du silicium, on, on, effectivement, on parle de, de fiction euh, sonore. Hein, voilà, c'est. Alors, je ne ça pas forcément génial parce que c'est le ce que je vois vraiment et ça, on en avait déjà parlé toi et moi euh, de ça. Moi, ma sensation en, en écoutant les épisodes, moi, je suis vraiment dans un film sonore. Alors, ça fait un peu oxymorique, hein, ce truc, mais, mais pour moi, c'est un film sonore. Vraiment. As, tu mets les... les ah, et et le, le son, on sait que le son dans un film est ultra important. C'est même dément la proportion de... Enfin, le, 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 le mapping sonore, le... le, 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 le com comment on règle le, le son, etc. C'est hyper important, les voix et tout. Et toi, dans ton, dans, dans, sur la route du silicium, j'ai vraiment plus une sensation... Et ce que je dis d'ailleurs euh, aux, aux gens quand je parle, de, voilà, que je, je bosse sur ce podcast et tout, je dis, mais moi, je bosse dans un, sur, un film, sur un film sonore. Et vraiment, je trouve que l'appellation, elle n'est pas... Enfin, pour ouais, moi, elle me bien. correspond. Voilà. Ouais, euh, J'avais trouvé dans certaines communications, au cinéma pour les oreilles. Oui, voilà. Mais je, carrément... Je trouve rigolo ouais. aussi. Cool. Euh... Ah oui, je voulais dire quelque chose pour rebondir sur ce que disait philippe euh, d'ailleurs en termes de créativité euh, justement euh, voilà euh, c'est le travail que tu fais sur le langage euh, en termes d'évocation euh, parce qu'il y a énormément de termes qui sont très peu courants euh, qui sont même des termes parfois très spécifiques, euh, euh, je sais pas moi, qui vont, qui va concerner les, les chevaux, euh, le Moyen Âge, parce qu'il y, y, y a des, il des choses qui viennent de d'époque ou de, ou de, enfin bref, de, de plein de de champs stylistiques différents on va dire et euh, ou sémantiques et euh, avec des termes que que souvent moi je ne connais pas par exemple, des noms de vent par exemple, enfin voilà, pa parmi d'autres et, et et qui ont une puissance évocatrice très grande. Et je trouve que ça participe beaucoup du fait de plonger comme ça dans un, dans un univers et d'être pris par ça. Et ça, je voulais vraiment saluer ton travail à cet endroit-là parce que je le trouve vraiment euh, très très réussi euh, en termes de voilà, de puissance évocatrice. Alors, je suis, je suis touché, euh, non, je ne l'ai plus. Hein. Euh, ah bah non, mais le but de ce FCR, bonus, c'est sans, sans, sans parler de l'utilisation des, des personnages non binaires, enfin des, des pronoms non binaires. Ouais. C'est quand ouais. même quelque chose que je n'avais jamais entendu avant dans un. Dans Alors, un effectivement, on a travaillé ensemble à choisir les pronoms ouais. de certains personnages. Et euh, nous, on est, on est, les six présents là aujourd'hui, on est, on est euh, six genres. Euh, mais euh, effectivement on a fait l'exercice d'imaginer ce que pouvait être un personnage non binaire, euh, voire même intersexué. Euh, et euh, bah, je pense que si tous les euh, six genres réfléchissaient à ne serait-ce que comment s'adresser à quelqu'un qui n'est pas exactement programmé comme lui, euh, c'est un exercice intéressant, effectivement, je trouve. Euh, on a même, euh, je crois c'est avec toi Didier, où on avait, pour des textes en anglais, on avait cherché les, pro, les, pré, les pronoms exactement. en anglais aussi. Euh, alors, ils sont, ils sont moches aussi, mais, mais ils fonctionnent en fait. ouais, ouais c'est ouais. euh, effectivement... Euh, et, et c'est pas... Euh, je, je tiens pas du tout à tenir un discours walk ou, ou quoi que ce soit. Hein. moi, c'est déjà... je, je sais dirais c'est dans le champ des choses qui, qui m'intéressent tout simplement, qui me touche. et du coup, euh, on, on a abordé... on a abordé... Euh, de façon light, hein, mais euh, effectivement, euh, moi par exemple pour l'empereur, je suis renseigné sur ce que c'était être intersexué et, et j'ai découvert par exemple que en fait la quasi-totalité des hommes et des, et des femmes sont euh, à, à des doses différentes euh, intersexuées. c'est-à-dire que euh, c'est il euh, y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui naissent à, à 80-20 par exemple ou à 20, 80, euh, tout ça. Donc, euh, c est, c est, ça a été... Euh, moi, je, je fais quand même pas mal de recherches hein, quand j'écris, euh, parce que ça m'aide justement à écrire. Euh, C'est pas pour rien. Il euh, y a besoin de se nourrir d'informations et de... de le, tu parlais du langage, Marie. Il euh, y a beaucoup des mots que j'emploie dans ce que j'écris, qui sont des mots que j'ai découverts dans mes recherches, hein, euh, qui n'étaient pas forcément des choses que je connaissais avant, mais qui, je suis d'accord, euh, si tu utilises le nom du vent euh, de cet endroit particulier en Iran il euh, bah, y a plus de chances d'être juste que si tu dis que c'est la tramontane qui souffle. Quoi. <laughs> euh, et, euh... Ça souffle fort la tramontane. <laughs> hein, ouais, euh... <laughs> oui mais ça fait plus penser à Dodet qu'au désert. Voilà. C'est vrai. <laughs> euh, euh, c'est clair. Euh, alors je ne sais pas si vous aimez les musiques de la série, euh, mais certains auditeurs euh, sur la page Facebook aiment particulièrement notre générique. Et moi, je, je l'aime beaucoup, hein. j'ai écouté beaucoup, beaucoup de musique avant de le choisir. Et donc, ce morceau, il est de Marco Maximovic, qui est un, un musicien euh, serbe vivant aux États-Unis. Euh, et j'ai eu la chance, je l'ai contacté en fait. Euh, évidemment, Marco, il n'a pas composé ce morceau super cinématographique. Pour nous, jamais j'aurais eu les moyens d'acheter une musique d'aussi euh, grande qualité. Hein. Euh, mais euh, j'utilise un, un service qui s'appelle Audio, euh, qui permet d'avoir accès à des, euh, des musiques euh, de cinéma euh, pour des productions euh, comme, euh, comme la, la nôtre. Et du coup, je me suis dit, ouais, je le contacte, le mec, euh, après tout, euh, c'est... C'est pas, pas Elon Musk, je peux lui parler. Euh, et euh, et euh, il m'a répondu tout de suite et du coup j'ai échangé avec lui. On est copains Facebook euh, de, depuis. Euh, et euh, c'est un vraiment super musicien. Euh, je mettrai, euh, je mettrai dans les, un lien vers son, vers son site euh, sur la page de l'épisode. Il euh, y a sa bio et il y a pas mal de musique qu'il fait. Euh, c'est une des belles découvertes de ce projet Rachel, t'avais pas une question sur la musique C'était justement ce que je voulais savoir si tu l'avais euh, fait composer pour ton podcast ou si le morceau existait déjà parce que euh, je confirme en tant qu'auditrice qu'il a, a un gros impact il est vraiment euh, il est parfait pour, ce, hein pour cette fiction alors, euh, donc, oui, effectivement, j'ai cherché moi dans une base de données de musique euh, avec beaucoup de morceaux. Euh, ce que j'ai cherché, c'est euh, ce qui s'appelle euh, de la musique. Euh, les, clés, les mots clés, c'est euh, 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 épique, euh, 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 cinématographique. Euh, et alors en plus, moi, ce qui me plaît beaucoup dans le morceau, c'est qu'il y a un thème chanté euh, d'une voix de femme. Qui me paraît euh, très en accord avec euh, Tully. Euh, même si euh, ce n'est pas euh, le thème central de, de, du générique, euh, c'est une voix féminine qui chante et je pense que ça fonctionne bien avec, euh, avec notre histoire. Alors, il y a, y a d'autres artistes qui ont participé au projet, euh, en, en plus de Marco et de, des huit acteurs euh, euh, qui, qui, qui donnent leur voix. Il euh, y a. Sophie Liuliana, qui est une, une, une graphique designer qui est à Lyon et qui a créé notre identité visuelle, c'est elle qui a créé les deux logos de, du podcast. Le, vous avez dû les repérer déjà. Il y a un logo rond qui ressemble à un soleil et un logo horizontal qui ressemble à un livre. Et qui est euh, certains d'entre vous l'auront remarqué certainement très inspiré des couvertures des livres de Jules Verne. Oui. Euh, euh, moi, je suis un fan de Jules Verne. J'ai des très beaux livres de, de ces collections-là, euh, et euh, ça a été le point de départ de la création de, de Sophie. Et euh, évidemment, vous connaissez la couverture du podcast, qui a été peinte par euh, un, un copain euh, qui est peintre, qui s'appelle Julien Delval. Euh, et du coup, euh, Sophie et Julien ont travaillé ensemble pour euh, composer euh, la couve. Euh, et euh, j'ai eu la chance que pour mes 50 ans, je rentre dans les détails, mes parents m'aient offert les originaux euh, de, de la peinture de Julien parce que acheté, je n'avais l'argent que pour acheter les droits de l'image. Euh, du coup, j'ai la chance d'avoir les tableaux chez moi. Euh, C'est un oh, beau cadeau que mes parents m'ont fait. Beau cadeau. Ça. Et, et euh, certains d'entre vous l'ont vu, euh, l'ont vu à la maison. Euh, C'est ah ouais, quand grave. même très très beau. Euh, du coup, euh, j'en profite pour vous signaler <laughs> euh, que si vous voulez nous soutenir, il euh, y a plusieurs moyens. Il euh, y a déjà la possibilité, comme l'ont fait certains d'entre vous, euh, de cliquer sur le lien. Euh, je donne un coup de main ou soutenez-vous qui est sur le sur euh, sur la route du silicium.com euh, mais il y a aussi euh, une boutique avec des euh, des casquettes des t-shirts euh, des mugs euh, euh, ah ouais, ouais, je me mets à l'image regarde je sais que, que ça passe, ça, passe, ça passera pas au podcast hein, mais bon euh, entre nous on euh, mais on, on, on va faire une photo refimer. on va faire une photo parce une que, une que photo. Euh, tout l'épisode Eric a eu son sweatshirt euh, silicium et moi j'ai moi j'ai un mug on va faire une photo. Allez, mettez mettez tous au caméras, on va, on va faire la photo maintenant. Allez. Alors, il y, y a quelque chose que tu n'as pas dit là, parce qu'il y a aussi des intelligences ouais. artificielles qui ont bossé avec nous sur le projet. Là. Ah oui, enfin, oui. Euh, peut-être en un peu plus. tout à hein. fait. Et il euh, y a <laughs> effectivement euh, une, une vraie, enfin, plusieurs même vraies intelligences artificielles qui ont participé au projet pour générer beaucoup d'images que j'ai partagées euh, avec la communauté. Et alors, ce qui est marrant, euh, c'est qu'il s'est passé un truc euh, hier soir c'est qu'il y a quelqu'un euh, qui, euh, sur un des posts que j'ai fait sur Facebook, euh, a remis en question euh, l'éthique, euh, mon éthique, euh, dans le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des images. Euh, ce que je trouve euh, rigolo et intéressant. Euh, je n'ai pas euh, polémiqué avec la personne parce que, euh, déjà, j'ai pour principe de ne pas nourrir les trolls, euh, mais euh, euh, c'est <laughs> intéressant, je dirais que, euh, ben voilà qu'il y ait euh, une, une presque une politisation de l'usage des IA pour créer des images mmh. euh, et ça je, moi je, je trouve ça cool que étant donné que notre série essaye de sauver une intelligence artificielle qu'on utilise il y en a une qui bosse au moins ouais. ah, bah, ouais. euh... mais est-ce est que tu peux est-ce que tu peux juste nous dire quels reproches euh l'auditeur en question faisait dans, dans le fait... Alors, ce n'était pas un auditeur, hein, c'était quelqu'un qui avait vu un post sur Facebook. Et donc, cette personne disait, en gros, j'avais posté cinq images, deux images de Alexandria faites par Unia, un paysage fait par Eunia et notre couve, donc quatre images. Et la personne a dit, euh, dommage que ces images soient générées par une, une intelligence artificielle. Et du coup, j'ai répondu, oui, effectivement, moi j'aime bien générer des images pour le projet avec une intelligence artificielle. Et elle a dit oui, elles sont très belles, mais d'un point de vue éthique, c'est pas bien. Quoi. Et on s'est arrêté là. Je pense que elle pense que je fais du mal aux artistes, j'imagine. Non mais ah oui, Déjà, déjà la phrase d'un point de vue éthique, euh, c'est pas bien euh, ça, ça marche, marche pas ouais. c'est un paradoxe même Mais, <laughs> mais, mais du coup euh, c'est marrant parce que tu vois euh, depuis le début du projet je pense qu'il y a eu euh, bien euh, sur tout ce que je poste sur euh, Facebook euh, Insta et compagnie euh, ça a été, euh, y a, euh, au moins un de mes posts a été vu je pense par euh, bien 300 ou 400 000 personnes donc euh, sur 300 ou 400 000 personnes il y en a une qui, euh, du coup, c'est marrant parce qu'on euh, ne lui demandait rien. Hein. <laughs> mais euh, voilà, euh, on, se, on se positionne probablement au début d'un dialogue au, au minimum sur l'usage des okay. intelligences artificielles pour et euh, des images. Et, euh, mais euh, Sébastien, est euh, est-ce que tu veux parler de la saison 2 euh, Est-ce que tu, euh, tu, tu as des idées de ce qui pourrait se passer en, en, de, pour la prochaine saison <laughs> Euh, alors, oui, j'ai des idées sur ce que, heureusement, que je ne lance pas dans la saison 2 sans y avoir réfléchi. Euh, je vais rien vous en dire, par contre, parce que c'est trop tôt, et surtout, c'est pas écrit pour l'instant, et du coup... Vous le savez, parce que vous recevez de multiples versions de mes scripts. Euh, moi, tant que je n'ai pas donné mon script pour l'enregistrement, je me réserve le droit de modifier tout ce que j'écris. Euh, du coup, euh, ce, que je, ce que je peux dire, c'est que je travaille dessus depuis, depuis le début de la saison 1. J'ai des notes pour la saison 2, puisque la série sera terminée à la fin de la saison 2. Cette histoire, elle est en deux fois six épisodes. C'est ce que j'ai décidé depuis le début. Et du coup, je j'y cogite quotidiennement. En particulier, moi, je médite avec une amie. Et ce je, n'est je, pas le but de la méditation, mais souvent, j'ai je, je, des idées en méditant que j'utilise que après. Et là, le, mon projet, c'est que pendant les vacances de Noël, je vais partir dix jours au bord de la mer. Et je vais écrire les premières versions des trois premiers épisodes. Ok. Cool. Euh, J'avais fait comme ça pour la première saison et ça nous a permis d'avancer après et de savoir dans quelle direction on allait. Et euh, du coup, on pourra enregistrer et diffuser le premier épisode au printemps. Euh, je ne peux pas encore dire précisément. Ça dépendra aussi beaucoup de nos disponibilités, euh, et de notre capacité à trouver des, des moments en commun pour enregistrer. Euh, euh, avec, euh, avec potentiellement euh, 8 ou 9 euh, voix différentes. Mais oh, oh, enfin, vraiment, je ne vais pas jouer le pénible, hein, mais euh, tu ne peux pas nous dire un peu ce qui se passe sur la saison 2 euh, Tu lis Lazare, Kara et, et Gazlan. Et, et, tu vois, sur la, la problématique sur la, laquelle se termine la saison 1, qui est hyper tendue, euh, est-ce qu'ils vont, est qu vont accepter de payer le prix euh, que l'empereur exige Uh -huh. euh, alors, pour être honnête, honnête euh, j'avais une, oh une, euh, une réponse simple avant qu'on enregistre l'épisode. Moi, je savais euh, comment j'allais gérer le truc avant qu'on enregistre l'épisode. Mais vous avez eu des réactions euh, off par rapport à la fin de la saison qui m'ont fait réfléchir depuis. Donc, pour l'instant, je... Je ne te mentirai pas, euh, je ne sais pas précisément comment je vais gérer le truc, même si j'ai je, euh, je, euh, la direction générale. Euh, et, euh, mais je dirais que les réactions des humains qui jouent les personnages euh, ont attiré mon attention sur des solutions différentes de celles que j'avais envisagées. Donc, Moi, je pense à la réaction de Didier. <laughs> Alors évidemment, <laughs> euh, euh, Gaslan Gazal, lui, euh, euh, surmonte. <laughs> gazlan gazal lui montait toutes les juments de l'écurie de, de impériale, ça lui pose pas de problème. Euh... Alors, on, on, on évoquait au début, d'ailleurs, que, que, que tu écrivais les... Euh... Les rôles un petit peu en fonction des en fonction des acteurs. J'ai six enfants, hein, donc c est, c est, Sébastien c'est bien. Donc, je ne sais pas ce que c'est ça ce que ça ah, euh, a dû l'inspirer. Euh, non non non. Euh, alors, ce que je peux vous dire par contre euh, sur la saison 2, euh, c'est que euh, de toute façon, euh, il va falloir euh, que les personnages réussissent à rentrer à Paris. Et y a quand même, ils ont en gros 15 000 km devant eux. Euh, et ça, il va falloir qu'ils rentrent le plus vite possible, puisque Alexandria, ses jours sont comptés. Et que s'ils arrivent après qu'Alexandria soit tombée en panne et soit morte, de toute façon, ils ne pourront ah, pas fichu. la sauver. Quoi. Euh, donc, du coup, je dirais va y avoir un, une tension à la fois sur la difficulté du voyage et euh, sur l'urgence du voyage. Euh, et euh, ça, je peux vous le dire, euh, il va y avoir euh, un nouveau belligérant, je dirais, une nouvelle force qui va rentrer dans l'histoire, d'ailleurs qui n'est pas forcément nouvelle, mais une cité lointaine et puissante, euh, qui a des grands projets euh, au niveau intercontinental, euh, va euh, apprendre ou réapprendre l'existence de Paris qui était, je dirais, une belle endormie et discrète depuis longtemps, et potentiellement, du coup, une menace d'un autre ordre de grandeur que celle qu'ont connu nos personnages, qui ont été, je dirais, surtout confrontés à des, des problèmes individuels et naturels. Là, potentiellement, l'ampleur des enjeux va changer d'échelle. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la saison 2. Et euh, euh, on a tous vu les, les projets de, de, la, de la BD là, de la bande dessinée que, que, sur laquelle tu bosses. Est-ce que est-ce que ça où ça en est Est-ce que ça va vraiment se réaliser Est-ce que va y avoir vraiment quelque chose Stéphane Pellayot, le dessinateur et moi, euh, c'est sûr, on veut on veut le faire. Euh, évidemment, vous le savez tous, si vous aimez la BD, celui qui bosse le plus, c'est le dessinateur et pas le scénariste. Hein. Euh, en termes de quantité de travail, c'est quand même beaucoup plus Stéphane qui va devoir travailler, d'autant plus que euh, l'histoire est déjà écrite et, et que Stéphane peut utiliser en grande partie euh, mes scripts. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a décidé de le faire. Euh, c'est un travail de longue haleine et ça ressemble un peu à une traversée de l'Eurasie à cheval. Euh, du coup, euh, je, je, on est que, euh, en gros on est au départ de Paris, euh, et il est un peu tôt pour, euh, pour assurer que euh, ça ira jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça ira jusqu'au bout. Euh, Stéphane, il est en train de, de créer une bible euh, pour, euh, euh, qui démontre à la fois euh, le style de la BD, mais aussi les techniques de production de la BD. Euh, évidemment, tout est fait en digital. Hein. Stéphane il dessine sur une tablette et Du coup, de, de, de réussir à produire le plus vite possible en ayant la meilleure qualité possible, en gros. Donc, ils cherchent une équation d'efficacité de, de, et de qualité graphique euh, qui fonctionne pour que dans l'année qui vient, euh, puisque on a prévu de proposer la, la BD a priori en décembre l'année prochaine, donc en gros pour Noël l'année prochaine, euh, que sur l'année ils réussissent à produire le premier tome. Donc, ça sera une aventure à part entière, et euh, ça, je vous tiendrai au courant euh, euh, au fur et à mesure. Alors, Rachel, euh, tu, oui, oui. tu as tout le monde autour de la table pratiquement. Euh, est-ce que tu as des questions euh, que tu te poses sur notre univers et notre histoire, ou est-ce que tu as des choses que tu veux demander aux, aux actrices et aux acteurs là que tu as autour de toi oui, Puisque euh... quand même, je, je précise. Euh, c'est pour toi qu'on fait tout ça. <laughs> pour, toi, pour toi, pour toi l'auditrice. Ah, je, je, je représente l'ensemble. Tu, tu, es, tu, es tu, le tu es le public. <laughs> je suis la représentante. on en discutait avant d'enregistrer l'émission avec, avec l'équipe. J'en parlais avec Marie en particulier avant d'enregistrer. Euh, évidemment euh, tout ce qu'on fait nous et tout ce que je fais moi euh, c'est pour que euh, toi euh, Rachel et tous les gens qui nous écoutent euh, vivent une aventure et peut-être euh, euh, envisagent le monde du, sous un angle euh, peut-être un peu différent de ce qu'ils avaient avant euh, du coup euh, toi en tant que destinatrice de cette histoire euh, est ce que tu as encore des, des questions que tu veux poser puisque l'occasion d'être réunie avec le casting ne euh, sera pas tout le temps là alors, concernant, bon, concernant l'histoire, moi je te, je vous fais entièrement confiance, donc je vais me laisser porter par ce qui arrivera. Euh, J'aurais plus des questions sur l'envers du décor. Euh, le script, par exemple, pour commencer, j'ai cru comprendre que tu en écrivais plusieurs, tu le revoyais. Euh, Est-ce que pour ce faire, euh, les acteurs te font des retours, tu peaufines les personnages avec eux ou est-ce que c'est juste, à force de le relire, tu t'es dit que ça, tu vas le changer, tu vas plus appuyer ça, diminuer ça Comment, comment tu travailles tes scripts Alors, euh, c'est une, une excellente question. Euh, je ne partage pas l'écriture avec personne. Euh, toute l'écriture, je suis le seul à la manœuvre. Euh, je ne demande pas euh, leur avis aux, aux acteurs et aux personnages. Euh, pour moi, en gros... Pour décrire mon processus d'écriture, je réfléchis beaucoup avant. Et quand je commence à écrire, c'est une sorte de partie de jeu de rôle, je dirais, où je joue l'histoire et je connais bien les personnages. Du coup, les personnages ont des réactions logiques par rapport à ce que je sais d'eux et un champ lexical qui est le leur, une façon de parler, de faire, de réagir. Et du coup, c'est un peu comme si je jouais au... Comment ça au Play Mobile, par exemple. Euh, et, euh, et le critère pour que je choisisse d'écrire quelque chose, c'est toujours, est-ce que ça me fait kiffer, moi, en tant que... Si j'écoutais, si moi, euh, entre plusieurs choix, le, quel, quel est le choix qui me ferait le plus plaisir et qui m'exciterait le plus, en gros Donc, euh, effectivement... Euh, je ne partage pas avec, euh, avec le, les acteurs. Par contre, quand on enregistre, euh, potentiellement, une intention peut être modifiée. Euh, euh, ça, d'ailleurs, vous, vous pouvez tous le, le dire. Si vous, si, des fois, vous ne comprenez pas, par exemple, ce que je veux dire. Parce que je ne l'ai pas écrit comme il faut. Euh, ou euh, ce n'est pas clair. Et du coup, il y a besoin d'indications. Mais euh, effectivement, euh, je, quand on enregistre, j'ai fait beaucoup de versions avant. Euh, mais euh, même j'aime bien qu'on qu tienne le texte que j'ai écrit mmh. même si des fois on le modifie euh, souvent j'ai choisi les mots avec euh, attention et du coup euh, j'ai envie qu'il soit là quoi. ok mais c'est bien parce que dans ta réponse tu as dit que tu connaissais bien tes personnages mais visiblement tu connais aussi très bien tes acteurs puisqu'ils oui. ont l'air de tous euh, à sentir oui, alors... un <laughs> lien entre le personnage qui leur est attribué et Rachel, Rachel euh, sache que ça ne nous empêche pas de donner notre opinion mais pour nous l'aventure s'arrête là <laughs> C'est noté euh, à ce moment-là, un méchant surgit et tu le personnage. Si je faisais comme ça, j'aurais plus d'histoire à raconter. Euh, mais euh, je pense, par contre, euh, je n'y avais pas pensé, mais que si un des acteurs ou un des personnages, enfin, un des acteurs ne voulait pas jouer quelque chose que j'ai écrit, je pourrais tout à fait modifier ce que. Euh, ce que j'ai écrit, mais je pense pas avoir euh, fait faire des choses euh, contre leur, euh, des, euh, à des acteurs contre leur gré. Euh, euh. Oui, ça reste, ça reste ouais. adapté aux personnalités de tes acteurs. Ouais. Euh, mais effectivement, tu vois, par exemple, j'ai de, demandé plusieurs fois à Marie de jouer des scènes d'intimité, alors c'est de l'audio. Mais, euh, euh, et elle le joue d'ailleurs super. Je trouve que elle est, Marie est, en, est très douée justement pour créer de l'intime. Euh, et du coup, euh, bah, elle me laisse explorer ce territoire chez elle, euh, ce qui est cool. Et, euh, mais je ne lui ai jamais demandé son autorisation avant de lui avoir envoyé le script. Si tu veux que je réponde pleinement à ta question. Ok, j'avais également, je me posais des questions sur le côté enregistrement cette fois. Est-ce que vous vous réunissez systématiquement tous en même temps et vous suivez le script de A à Z ou est-ce que par impossibilité euh, matérielle au niveau des emplois du temps de chacun, vous séquencez Certains vont enregistrer certaines répliques, euh, d'autres à un autre moment et tu vas mixer tout ça à la fin. Comment, vous, comment ça se passe concrètement Alors, idéalement, ce qu'on préfère tous faire, c'est d'être tous là en même temps et de toujours en même temps. Mais, euh, peut-être par mégalomanie, euh, j'ai élargi le casting. Euh, à, donc, maintenant, il y a huit voix plus la mienne euh, qui euh, crée des personnages. Et euh, Riverside, la plateforme qu'on utilise, ne peut accueillir que sept personnes. Donc, jusqu'à présent, quand on était sur des gros castings de certains épisodes, j'ai enregistré séparément, euh, par exemple, Erwan euh, Fayol, euh, qui joue Tao Kahn, lui et a, a été tout le temps à Hong Kong et a toujours été enregistré séparément. Euh, et euh, Aurore Clavery aussi a été enregistré séparément, même euh, une fois, Philippe aussi a été enregistré séparément. Et c'est moi qui remplace. Euh, pendant l'enregistrement principal, l'acteur le, qui n'est pas là, euh, en donnant une réplique euh, de base, hein, tu vois, sans même ouais. jouer son texte, mais juste en disant le texte, quoi. Euh, et c'est au montage que je recolle tous les morceaux euh, ensemble. Et euh, franchement, euh, au début, j'avais un peu peur de, de désynchroniser. Euh, et en fait, je me suis aperçu au fur et à mesure que j'avais appris à gérer le truc. Et que maintenant, ça ne me pose plus de problème d'avoir, par exemple, trois personnages qui ont été enregistrés à part, plus les autres ensemble. Okay. Euh, ce qui va me donner, euh, je peux te le dire, plus de latitude pour organiser les enregistrements, parce que je serais peut-être moins euh, contraint de réunir tout le monde en même temps pour pouvoir, du coup, enregistrer peut-être plus régulièrement et euh, euh, diffuser plus souvent. Ok. Après, si je puis me permettre, c'est quand même beaucoup plus agréable pour nous euh, que tous les acteurs soient euh, présents en même temps, même à distance, bien sûr, euh, pour avoir le, la, la, le jeu de chacun. C'est important parce qu'on rebondit toujours sur, euh, sur la réplique précédente. Enfin, ça, c'est vraiment la. Euh, c'est vraiment là comment dire euh, oh là là je trouve pas mes mots enfin, le, jeu, le fait de jouer ensemble joue. quoi enfin c'est la dynamique ouais. de jeu collective et pour ouais. euh, elle est hyper précieuse pour la qualité de de, de, de nos interprétations et, et c'est quand même vachement mieux quand on est tous ensemble et qu'on et, et que tout se passe en direct après on fait comme on peut avec les aléas euh, techniques bien sûr mais euh, globalement ça va je trouve que on y arrive quand même bien euh, Et... Petit détail, hein, on se fend bien la gueule surtout. Ça <laughs> on se, on, on, à chaque enregistrement, on se marre, on se, on se marre bien. Euh, et d'ailleurs, euh, chères auditrices, chers auditeurs, sachez qu'il est possible d'assister à l'enregistrement en ligne. Euh, je l'ai proposé plusieurs fois sur Facebook. Et si vous voulez, euh, vous pouvez. Euh, vous pouvez assister à ces enregistrements-là sans, sans que ça puisse perturber l'enregistrement, parce que c'est géré séparément, comme une sorte de, de, de salle à côté. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que par contre, vous pourrez tout entendre, mais souvent on coupe nos caméras, parce que l'Internet de... n'est pas assez rapide chez tout le monde pour gérer à la fois les caméras et les micros en même temps. Mais c'est possible d'assister à un enregistrement. Alors, euh, on, je vous propose, euh, si vous voulez bien les amis, euh, qu'on fasse un truc qui se fait euh, de façon et qu'on qu qu termine l'épisode euh, bientôt. Euh, souvent dans les podcasts, euh, l'animateur demande à ses invités... Euh, euh, sur quels euh, médias ou réseaux sociaux euh, les gens, euh, les, les auditeurs, les fans peuvent euh, retrouver euh, les acteurs ou les, pas, les designers et compagnie Est-ce que vous, vous avez des, des comptes Instagram ou Twitter ou Facebook euh, que vous avez envie de partager pour que les gens vous suivent euh, euh, ou, Et d'ailleurs, est-ce euh, euh, que vous avez, euh, je sais pas, un, un projet euh, que vous voulez euh, euh, que vous sortez bientôt, dont vous voulez parler. Euh, c'est quoi, euh, quoi votre euh, actu euh, perso euh, dont vous voulez parler avec euh, nos auditeurs et nos auditrices <laughs> Grand silence. <laughs> si, moi, je vais dire quoi, bah, moi, j'ai je... rien. <laughs> Comme ça, <laughs> c'est clair. Euh, toi, Eric, Eric, tu pa... Eric, tu passes à la télé, toi, en ce moment, sur Arte, non je passe sur Arte, sur TF1 série en ce moment, et je passe bientôt sur Netflix avec la même série de Arte, le Monde de demain, qui parle de la naissance du, du rap en France. C'est une série qui a fait un tabac. D'ailleurs, oui. Netflix a racheté les droits. Donc, à partir du 16 novembre, vous me retrouverez sur Netflix. J'ai le rôle de Marco, le régisseur. Des scènes assez sympas avec la bande NTM. Et vous me retrouvez en TF1 replay série sur les petits feuilletons. Ça a été super bien tourné, on a eu le droit à un beau réal. Donc il y a des beaux plans, il y a des belles images et il y a, il y a beaucoup d'amour. Moi, ça a été un vrai kiff moi, pour ce tournage. Et prochainement, je suis sur Bordeaux une nouvelle fois pour tourner. Une... Oui, parce que Eric, tu tournes souvent. Hein. Moi, je. J'ai pas à me plaindre, j'ai pas à me plaindre, je, je bosse bien. Euh, je suis à, alors, je lance un appel SOS, je suis à la recherche d'un nouvel agent artistique. <laughs> j'ai un Instagram qui tourne avec mes bandes démos et, et une chaîne YouTube. Attends, à ton hein, nom, Eric Pfaff Comédien, ouais, Eric Pfaff, ouais. comédien. Et du coup, euh, voilà, ouais, si, si, j'ai une activité qui est, qui est pas mal, j'attends des, des résultats de casting. Et puis, si vous allez me retrouver, j'ai hâte qu'ils sortent. C'est un long métrage qui s'appelle Eau Forte sur la société d'aujourd'hui qui a été tourné par juste Philippot. Euh, je tourne avec Guillaume Canet, entre autres. Et là, il y a des. J'ai hâte de voir ce, ce long métrage, ça sera au ciné. Super. Et, et c'est un film sur l'époque d'aujourd'hui, avec tout ce que ça comporte. Euh, L'histoire, en gros, est on est tous virés d'une usine et ça part en vrille. Canet devient un bordel la... Et il a mis, ils ont mis vraiment du, du gros matos pour filmer. Et puis c'est sur la société d'aujourd'hui. Donc je pense que. Euh, ouais, j'ai hâte de, Ça devrait sortir en début d'année, ça. Au ciné. Et si. Excuse-moi, un dernier, un dernier truc, Seb. Parce que ça me tient à cœur. Euh, normalement, le 24 de ce mois-ci, bien normalement, ça dépend un peu de mon emploi du temps. Moi, je suis sur Paris parce que j'ai tourné un clip qui a fait un peu le tour. Au niveau des télés, c'est un clip sur les enfants handicapés. Euh, à la base, c'était pour l'hôpital Necker, des enfants qui sont nés avec une paralysie faciale, un truc qui, ouais, qui me tient à coeur On était tous bénévoles. c'est' n'y avait que du lourd. Et du coup, euh, moi, je monte sur Paris Tu l'as vu, ouais, il est, il est assez, moi, bon, il est, il est parce que ça, ça parle des enfants. Et c'est vrai que c'est, donc voilà, si vous avez l'occasion, c'est, c'est un super clip euh, pub. Il faut pas hésiter à le partager. C'est pour les gosses. Donc voilà, donc euh, normalement le 24, moi je suis après, parce qu'il y a une visite, ça passe au cinéma. Et puis, bon, on... Alors euh, on parle du 24 novembre, hein, parce que si vous écoutez ça en 2025, on parle du 24 novembre 2022. Parce que je pense que ouais, c'est moi, moi, voilà, pour les gosses, ouais. il y aura tous les gamins contournés qui seront là. Et bon après, c'est pas toujours facile parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment abîmés. Mais voilà, donc je tenais à ouais, juste faire un petit signe et puis, euh, puis faire un. Cool. Philippe, Philippe tu, tu avais un truc à partager. Euh, oui, alors moi, je, donc je, vais rentrer, euh, je vais rentrer en écriture, comme je dis, euh, à partir de janvier 2023 pour au moins un an. Donc, euh, donc voilà, donc je vais plein pot sur l'écriture. <coughs> je ferai un peu de photos, mais sur des, des projets euh, radicaux euh, et non non Rémunérateur, <laughs> et, euh, et, et je vais continuer à animer des ateliers euh, chez moi en Creuse. Euh, euh, voilà que je fais mensuellement. Alors, j'ai un compte Instagram euh, qui s'appelle Philippe.aufort.écrivain pour les gens qui sont intéressés par les, les ateliers d'écriture. Voilà, donc je me réjouis d'avance de, de, de pouvoir me permettre ce luxe nécessaire d'écrire et d'être préoccupé que par l'écriture euh, au moins au moins pendant pendant un an. Super. Euh, par contre tu continueras à jouer avec nous quand même. Ah ben bah, clairement, bien sûr, évidemment mais ça c'est euh, ça, ça c'est l'évidence, <laughs> c'est l'évidence. Ah, non non mais ça... Sinon, on débarque en Creuse et en football Oui oui, oui allez-y, venez venez, venez. <laughs> Et toi, Marie, euh, tu chantes dans une chorale célèbre, euh, par exemple enfin, Célèbre, <laughs> euh, bah, qui, qui a sa petite notoriété, oui. Ça s'appelle ouais. l'Echo Râleur. C'est une chorale euh, rock euh, un peu déjantée, décalée, euh, qui est extra. Et euh, bah, vous pouvez euh, retrouver son actualité sur le site Internet. Euh, L'Echo Râleur, tout attaché, hein, euh, l e c h o r a l e u -R. Paris. Et puis, on a un compte Facebook, Les Choraleurs Officiels, et un compte Instagram aussi. Euh, voilà, donc vous pouvez retrouver l'actualité de, de la chorale dessus. On, on fait des concerts, et voilà, et, et c'est chouette. Et puis, euh, bah sinon, peut-être juste une petite annonce. Personnel parce que en fait euh, je, je prends un plaisir vraiment fou à, à faire euh, ces podcasts euh, avec vous. Et bah, moi j'étais comédienne dans une vie antérieure, hein, même si je ne le suis plus depuis longtemps. Et je, et je me rends compte que j'aime énormément prêter ma voix. Euh, je l'ai déjà fait et je le savais, mais j'ai retrouvé ce plaisir là euh, en participant aux, aux aventures de, de Seb. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien développer. Donc euh, bah, voilà. Euh, C'est un, une petite euh, annonce que je lance, mais si. Je suis ravi. Je suis ravi que, que que le dire, notre collaboration ait eu euh, un effet sur ton envie de, de, de continuer à le faire avec d'autres. C'est super. Ah ouais, j'aime beaucoup. Euh, euh, mais j'aime beaucoup le podcast en fait. C'est vraiment quelque chose que, que j'aime énormément et que et que et que je voilà, j'en écoute beaucoup beaucoup de, de plein de sortes différentes. Et voilà. Donc c'est aussi une, une annonce que je lance comme ça. Mais s'il y a des gens qui voilà qui aiment ma voix et qui ont envie de me proposer des problèmes. T'as une voix super dit... agréable, Marie. <laughs> ah, moi je kiffe, sincère. Mais merci. <laughs> c'est un kiff à t'écouter. moi je prends bonheur. C'est ça. T'as bien, <laughs> bien raison. bien raison. Et, et toi, Rachel, tu, euh, tu, tu veux nous Partager ton actualité ou je sais Non, pas, non, euh, moi, moi euh, je suis un peu comme Didier, euh, <laughs> on est sur une actualité euh, zéro. <laughs> D'accord. Ou, ou je ne sais pas, des projets de bouquins à lire ou des projets de films à voir. C'est euh... ah bah, toujours <laughs> toute une liste de bouquins à lire, hein. ça c'est ouais. sans fin. Hein. Si Mais je peux euh, te recommander, si... René Manzor. Comment ah, tu je sais crois qu'il en a déjà parlé. René de... Manzor. Ah hmm. D'accord, je note. Eh bien, les amis, il me semble que le mieux est de rendre l'antenne à l'Eno Concorde. Monsieur Concorde. <laughs> la première saison de notre aventure se termine maintenant. Mais rassurez-vous, Tully, Lazare, Gazlan, Karakoum et Kangal seront de retour l'année prochaine pour la saison finale de Sur la route du Silicium. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, seuls ou à plusieurs à côté de vos postes à Galen. Je vous imagine, tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne de la nouvelle radio Tour Eiffel. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. Je suis Lénon Concorde, Seb Joncou en est le réalisateur. Je suis incarné par Philippe Offort. Tully Eiffel est joué par Marie Holm, Pierre Lazare par Eric Pfaff. Gazlan Gazal par Didier Roy. Karakoum est interprété par Élise Cancès. Chalipa Sharifi par Aurore Clavry et Tao est joué par Ewan Fayol. S'il vous plaît, partagez notre émission à vos amis, invitez-les chez vous pour l'écouter ensemble. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois sur les ondes très bientôt pour la nouvelle saison de Sur la route du silicium. Salut, au revoir, au revoir. Salut, au revoir, Salut. au revoir, à l'année prochaine, à bientôt. Au revoir, ciao à tous